Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, et je suis ravi de vous retrouver. Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Faites-moi signe si vous êtes connecté. Bonsoir, bonsoir. J'attends que vous me faites signe, mesdames et messieurs, si vous êtes connectés, je vous attends. Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir pour une énième fois. Et j'attends que vous me faites signe si vous êtes connecté. Voilà, là je vois déjà qu'il y a une personne qui est connectée. Ok. Bonsoir à tout le monde. Je vous attends quelques petites minutes, deux petites minutes et nous allons enchaîner. Bonsoir à tout le monde. Mesdames et messieurs, nous allons repartir 2 ans en arrière. 2 ans en arrière, c'était le 21 mars 2021. C'était à la veille des proclamations des élections présidentielles. Et nous avons un candidat qui était là, qui attendait sa victoire et qui n'a jamais eu sa victoire. Parce que ce candidat, Guy Brice-Parfait Colella, est décédé, ou plutôt était décédé le 21 mars 2021. Le jour de la proclamation des élections présidentielles de mars 2021. Zoom sur l'actualité, ou plutôt sur les actualités des années précédentes. Aujourd'hui, nous sommes le 21, mesdames et messieurs. Le 21 mars 2023. Oui, 2 ans avant cette date, nous avons connu un candidat. Ce candidat s'appelle... Plutôt, il s'appelait Guy Brice-Parfait Colella, mesdames et messieurs. Et avant de développer, je vais vous rafraîchir la mémoire. Ne quittez pas. Ensemble, je vais vous rafraîchir la mémoire du 21. Mesdames et messieurs, voilà le testament politique. Le testament politique du 21. Là, nous ne sommes pas le 21, nous sommes le 20 mars 2021. Je pense que c'était un samedi. Et nous avons vu cette image qui est devenue virale dans nos mémoires.
En mars 2021, je me suis engagé dans cette campagne-là pour ce candidat-là que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Mais je connaissais son père. Nous sommes, mesdames et messieurs, nous sommes le samedi 20 mars 2021. Et à cette époque, il y a 2 ans de cela, je faisais mes directs à 20h. Et lorsque j'ai vu cette image, je me suis retourné vers les amis avec lesquels je travaillais en symbiose. J'ai essayé de comprendre ce que voulait dire cette image. Il était 18h, 19h. On m'a dit, sois courageux, fais en direct. Mais le chef est mal en point. J'avais un direct à faire le samedi à 20h. Avec cette image, les amis m'ont encouragé. Je ne voulais pas faire ce direct ce jour-là, le 20. On m'a dit, va faire ton direct, sois fort. Mais le chef ne se porte pas bien. C'était le samedi 20 mars avant 20h, avant que je ne fasse mon direct, parce qu'à l'époque, je faisais mon direct à 20h. On m'a tout simplement dit, il faut maintenant considérer lorsque tu vas faire ce direct-là, parce qu'il a demandé à ce qu'on puisse continuer de voter pour qu'il ne se soit pas battu pour rien. Mais il faut insister maintenant sur 3 candidats, que s'il y a des gens qui vont mettre les bulletins dans les urnes, il nous reste 3 candidats. Il y avait Destin Gavé, il y avait le colonel Onyang, et puis il y avait Mathias Ndjong. Il fallait insister qu'il fallait mettre des bulletins sur ces 4 candidats avec Guy Brice Parfait collé là. Donc il fallait insister sur ce point-là. Mesdames et messieurs, là nous sommes le samedi, j'ai fait mon direct. Et à 2h du matin, je dis bien à 2h du matin, de ce même samedi, puisque samedi c'était le 20, à 2h du matin, nous sommes le 21. Puisqu'il est déjà 2h du matin, je reçois un coup de téléphone. Ce coup de téléphone, je ne l'oublierai pas. On me dit que le chef est mort. Je dis, comment ça? On me dit, le chef est mort. Nous sommes samedi à 2h du matin. Le chef est mort. J'ai dit, mais c'est pas possible. Là, je suis en contact avec la base. À 19h, on me dit qu'il est mal en point. Sois fort, je fais mon direct. À 2h du matin, nous sommes maintenant le 21, mesdames et messieurs. La base m'appelle, elle me dit que le chef est mort. Il était 2h du matin, je ne savais même plus quoi faire. J'ai appelé 3 personnes. Parce que je ne pouvais pas garder tout seul, je me suis dit, mais oh là là. J'ai appelé 3 personnes. J'ai mis les 3 personnes dans la confidence de ce que je venais d'entendre par ce coup de téléphone-là. Et j'ai pas pu m'endormir. Nous arrivons à 8h du matin, puisque nous sommes maintenant dans la journée maintenant du dimanche 21. C'est-à-dire que la proclamation des résultats se fera le 21. À 2h du matin, je suis déjà au courant que le chef n'est plus. J'arrive à 8h, je suis comme ici, je dis je vais aller déjeuner. À 9h, j'ai un coup de téléphone, un deuxième, qui me confirme ce qu'on m'a dit à 2h du matin, que le chef est mort. Nous sommes le 21, je vous le dis, à 2h du matin, j'ai l'info, à 9h, on me confirme. Je me dis, bon, je vais d'abord aller déjeuner.
et je vais prendre le temps de réfléchir. Il était 9h, à 10h, il fallait prendre la décision. Parce qu'il y a une bombe qui était placée par le PCT, il fallait désamorcer cette bombe-là. Il y a un scénario qui était en train de se préparer. Et c'est le scénario qu'il y a depuis 2 ans. Il fallait désamorcer cette bombe-là. Pour désamorcer, nous savons qu'il y avait un scénario qui était là. Le scénario, c'est celui que vous connaissez maintenant après, celui du Covid. Qu'il fallait qu'il y ait maintenant qu'il était malade, qu'il était contrôlé positif, qu'il fallait maintenant l'évacuer sanitairement dans un avion médical pour qu'il puisse venir se soigner en France. C'était ce scénario-là qui était là le 21. C'était une bombe qui était placée par le PCT. Il fallait désamorcer cette bombe-là. Le 21 à 10h, je me suis présenté vers tout le monde. Je suis venu vous annoncer que Guy Brice-Parfait-Colella était mort. J'ai failli être lynché. J'ai failli être lynché parce que j'avais une info politique. Alors qu'il y a d'autres personnes qui avaient vu la même image que moi, qui connaissaient la famille de Guy Brice-Parfait-Colella, qui connaissaient l'entourage, qui connaissaient même la veuve, et qui se sont empressés pour prendre des nouvelles. À cet instant-là, la dame du défunt ne gérait plus rien, elle ne gérait pas la communication. La communication était ailleurs. Donc, le deal, il fallait qu'elle vous dise ce qu'on lui demandait de vous dire. Donc, lorsque les amis, la famille partaient aux nouvelles, elle ne faisait que dire non, mon bel n'a bien. À cela qui est malaise, là, c'est bon. Bakala qui est bien. Il y a un salaire malaise, donc il y a un bien, mais il y a même un coup de dire. Bakaladiane bien quoi, dina, malaise quoi, kachiriki. C'est ce qu'on avait demandé de vous dire. J'arrive aussi à comprendre, après 2 ans, de dire que même si je me mettais aussi à la place des autres et que je partais chercher l'info vers celle qui deviendra la veuve, j'allais agir pareil. Mais il y avait deux infos, mesdames et messieurs. Il y avait l'info politique. Et puis il y avait l'info familiale, j'avais l'info politique. J'ai failli me faire lyncher. Je vais maintenant, aujourd'hui, comme d'hab, Facebook a ressorti 2 vidéos. C'est pourquoi je reviens sur ces événements-là, parce que nous sommes le 21 aujourd'hui. C'est la date à laquelle Guy Brice-Parfait était mort, et non le 22, mesdames et messieurs. C'est ce scénario-là qu'il fallait déminer. Parce que ce scénario, c'est celui que voulait présenter le PCT. Nous faire croire que Guy Brice-Parfait allait mourir le 22. Puisque c'est le 22 qu'on a déclaré qu'il était mort sur le tarmac Bourget, alors que nous savons que le 21, c'était fini. Mesdames et messieurs, lorsque j'ai annoncé, je vous ferai lire les commentaires. C'était affreux. Il y en a qui m'ont même dit, mais tu te prends pour un serviteur de Dieu, si tu étais mon enseignant, si c'était toi mon pasteur, je n'allais plus venir dans ton église. Comment tu peux raconter du faux? Ils se sont dit que je suis dans le faux. Puisque les images maintenant qui commençaient à passer ici en boucle disaient que Guy Brice-Parfait-Colella était souffrant et qu'il fallait maintenant l'évacuer sanitairement. Donc il était vivant. Et il y a moi qui vais à 10 ans qui viens dire qu'il n'est pas vivant.
Mais pourtant, la Bible, je me suis accroché à la Bible, mesdames et messieurs, la Bible nous dit que ton oui doit être un oui, ton non doit être un non. Je n'ai pas branché. Vous verrez les commentaires. Je ne veux plus remuer le couteau sur la plaie, mais j'ai été attaqué par rapport à ça. M'a dit qu'il est sapeur, je ne remue pas le couteau. Je refais seulement le match du 21 mars 2021, mesdames et messieurs. Et alors, pour éviter toute ambiguïté, j'étais obligé de revenir l'après-midi faire amende honorable, faire fausse amende honorable, me renier, renier ma parole biblique. Je suis revenu. Comme les gens aiment le mensonge, je suis venu dire que je vous présente mes excuses. Guibris parfait et bien vivant. Il s'apprête à regagner la France pour venir se faire soigner. Ce qui était tout à fait faux, ce que j'étais en train de vous dire pour la deuxième fois. Mais comme l'être humain aime le mensonge, l'être humain aime la sensation. C'est-à-dire que une personne ne peut pas dire la vérité s'il y a 500 qui disent que c'est faux. Je vous présente la vidéo, mesdames et messieurs, où je suis venu faire amende honorable, fausse amende honorable, mais parce qu'au fond de moi, depuis 2 h du matin, j'avais cette info. À 8 h, j'avais la confirmation. Je vous laisse écouter juste quelques mesures. Mesdames et Messieurs, nous sommes le 21 mars 2021. Je reviens pour m'excuser que je m'étais trompé alors que je ne m'étais pas trompé. Vous regardez comment j'ai été critiqué, dit Louboutin, il y a un an. Vous aussi, vous aurez mieux fait de bien vérifier l'information avant de la diffuser en direct. Nous ne dormons plus à cause de cette histoire. Donc, entendre ce genre de message, ça nous choque, monsieur. J'ai été lapidé. Deco Evans, je suis désolé, mon frère, on ne diffuse pas une info sans vérifier. Il fallait attendre, vous parlez trop. Mesdames et messieurs, regardez la réponse que j'ai donnée à Déco. Attendez. Mesdames et messieurs, voici la réponse que j'avais donnée à Déco, Even. Avec le temps et après les élections, vous changerez d'avis lorsque vous aurez les tenants et aboutissants. Bon dimanche à vous, parce que je savais que la vérité finira par triompher. Et la vérité aujourd'hui, c'est que Guy Brice-Parfait, qu'on est là, n'était pas mort du Covid. De Coeven, qu'est-ce qu'il me dit encore? La prochaine fois, mieux vaut faire attention. Il vous manque le discernement, peu importe la source de vos informations. Je déteste les fake news. Ce n'était pas une fake news. Et les mêmes personnes ne m'ont jamais présenté les excuses.
Mesdames et messieurs, voilà, ce jour-là, le 21, je vous ai montré, je suis venu faire une fausse amende honorable. J'avais présenté mes excuses, mais je savais que j'avais dit la vérité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui se sont dit que, mais oui, mais tu commences à toucher les guéris, tu es sassuiste. La récupération politique. Il y en a qui ont voulu me descendre. Mesdames et messieurs, ce n'était pas évident ce que j'étais venu annoncer. Il fallait le faire. Pour la simple raison, mesdames et messieurs, si on ne le dit pas, si on ne démine pas, qu'est-ce qui a été le scénario? Aujourd'hui, le scénario, il est là. On a voulu nous faire croire que Guy Brice Parfait-Colella est mort ici en France. Qu'il était contrôlé positif. Mesdames et messieurs, si vous revenez 2 ans en arrière, c'est en 2021, le Covid est en train de faire des ravages. Et vous croyez que quelqu'un qui a le Covid, aussi français était-il, vous croyez qu'on devrait prendre un avion médicalisé, ramener quelqu'un qui était contrôlé positif dans cet état-là, qu'il rentre en France, on allait l'enterrer au Congo-Brazzaville, il n'allait pas rentrer en France, mesdames et messieurs. Mais les intellectuels, ils n'arrivaient même pas à réfléchir de cette manière-là. Comment quelqu'un contrôlé positif en 2021, qui est déjà pratiquement dans une civière, sous prétexte parce qu'il était français, qu'on allait le prendre un avion médicalisé pour qu'il ramène le Covid ici en 2021, alors que la recherche est en train encore de tâtonner parce qu'il était grippé, Brice Parfait-Colella, contrôlé positif, et on allait le prendre un avion, on allait ramener ici. Vous êtes sûr et certain? Mais il allait crever à Brazzaville. Et on allait l'enterrer à Brazzaville. Il n'allait pas rentrer. Même un Français de pure peau, s'il est contrôlé positif, il est au Congo-Brazzaville, il va rester au Congo-Brazzaville. Il doit d'abord se soigner avant de monter. Il ne prendra pas l'avion. Alors le scénario. On vient, on attend un avion médicalisé, soi-disant médicalisé. Et le scénario, c'est le même, c'est celui que nous avons prévu. On l'amène. Mesdames et messieurs, prouvez-moi, hormis cette vidéo que je vous ai montrée où Guy Brice Parfait-Colella nous donne son testament politique pour nous dire que levez-vous comme un seul homme. Qui a une photo de Guy Brice Parfait-Colella vivant depuis le Tarnac, alors qu'il y avait du monde là-bas qui était venu l'accompagner? Qui peut nous prouver qu'il est en vie? Nous avons des téléphones. Aujourd'hui, si on a réussi à le filmer pour qu'il nous laisse ce message-là au tarmac, on pouvait le filmer. On pouvait prendre une photo où il était souriant, où il avait les yeux lucides. On pouvait faire même des captures d'écran. Non. Dans l'avion, mesdames et messieurs, il n'est pas seul. Qui a une photo dans l'avion qui nous donne l'impression qu'il y avait de la vie sur Guy Brice Parfait-Colella? La défunte était à l'intérieur. Est-ce qu'il y a même une photo ou bien moi, vidéo, ça là quand même il y a 2 minutes, Bakal me sourit, Yandi, ou bien Bakal Yandi qui est en vie? Il n'y a rien. On arrive au Bourgeois Tarmac. Oh, il est mort. Elle est où la photo? Aucune photo. Alors que nous avons des smartphones, aucune photo. Il n'y a rien. Aucune trace de vie. Non, il est mort sur le sol français. À 2 heures du matin, nous sommes le 22. Mesdames et messieurs,
Mais le 22, ça signifie que lorsque nous rentrons dans la loi, lorsque nous rentrons dans la constitution congolaise, ce qui signifie que s'il est mort le 22, on ne pouvait pas annuler les élections du 21. Parce que tout se jouait sur la date du 21. Parce que si Guy Brice Parfait Kolela était décédé le 21 à Brazzaville, déclaré par les médecins, l'élection présidentielle allait être caduque, il allait être annulé. Or, il ne fallait pas annuler l'élection. Il fallait qu'il meure en France le 22. Comme ça, l'élection allait être validée. C'est ce qui s'est passé. L'élection a été validée parce qu'il n'est pas mort au Congo. C'est ce scénario-là qui était là, mesdames et messieurs, depuis le dimanche à 2h du matin jusqu'à 8h. C'était ce scénario-là qui avait fait que je vienne maintenant déminer, précéder ce scénario qu'on allait nous vendre. C'est ce scénario-là. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, la science a dit quoi? 8 mois après, la science, parce que Macron n'a pas voulu être piégé par Denis Sassou Nguesso, Macron a déclaré ici, quand je parle de Macron, la France a déclaré que Guy Brice Parfait Kolela n'était pas mort de Covid. Vous le savez, mesdames et messieurs. Parce que Macron n'en voulait pas qu'il puisse avoir aussi des problèmes ici, qu'il avait ramené, qu'il avait accepté qu'on fasse rentrer quelqu'un ici qui était contrôlé positif. Alors la science nous a dit qu'il n'était pas mort de Covid, mesdames et messieurs. Alors qu'au niveau du Congo-Brazzaville, il y a un médecin qui avait bien notifié qu'il était mort. Plutôt qu'il était contrôlé positif Covid. Vous voyez le mensonge. Si on n'avait pas placé cette vérité le 21, aujourd'hui, on allait nous faire comprendre que Guy Brice Parfait Kolela était mort le 22 alors qu'il était mort le 21. Si nous insistons sur le 21, c'est parce que il avait gagné la présidentielle le 21. Le 21, il était élu président de la République, même à titre posthume. Et vous savez qui lui a pris la victoire, qui lui a volé la victoire. Vous le savez, c'est celui qui est là, c'est le champion nordiste. Pour lui, Guy Brice Parfait Kolela était mort ici et que la campagne était déjà passée et que les élections étaient déjà faites. Alors avec le recul, mesdames et messieurs, aujourd'hui, il y en a parmi ces personnes-là aujourd'hui qui travaillent sur la date du 21, celle que j'avais donnée, les mêmes qui m'avaient attaqué. Les mêmes qui croyaient que je ne pouvais pas avoir une info sont en train de travailler sur la date du 21 et non sur la date du 22. Après, ils ont compris qu'il y avait ce père chéri. Que c'est vrai qu'il n'était pas mort le 22. Donc, l'info que j'avais donnée était vrai. Je n'étais pas dans le faux. Il y a certaines personnes qui m'ont manqué de respect par rapport à ça, mais qui ne m'ont jamais présenté des excuses. C'est la raison pour laquelle même ce combat-là n'est pas parti loin, parce qu'il y a eu des égos surdimensionnés. Chacun voulait faire sa petite sauce de son côté. Nous n'avons pas pu fédérer ensemble. Vous voyez qu'à un moment donné, il y a eu les combattants qui se sont accaparés ce mouvement-là. Je vous cite les noms, les Nomazalaï, tout ce monde-là, aujourd'hui, tout ce monde qui gravitait autour de la mort de Guy Brice Parfait Kolela, mesdames et messieurs. Ce monde est où? Ceux qui étaient là-bas, de l'autre côté, qui étaient avec Lady Kolela, se sont retrouvés chez la veuve, que je n'ai pas envie de citer de nom. Et c'est les mêmes qui sont aujourd'hui dans un collectif qui a été créé par Dominique Okemba. Mais moi, je n'ai pas changé de camp, mesdames et messieurs. Je reste du côté là où, aujourd'hui, il y a un collectif qui a été créé qui recherche la vérité sur Paco. Je reste de ce côté-là, malgré nos divergences politiques, si on peut dire, nos divergences d'idées, je reste sur ce côté-là où ils sont en train de chercher la vérité sur la mort de
Guy-Brice Parfait-Colella. Pour qu'un jour qu'on puisse changer de plaque, qu'il n'est pas mort le 22, qu'il est mort le 21. Si nous le mettons le 21, dans ce cas, il faudrait écrire en noir et blanc sur le registre des présidents du Congo-Brazzaville que Guy-Brice Parfait-Colella était devenu président de la République après Pascal Lissouba. Même si c'est à titre posthume, mesdames et messieurs. L'histoire. Il faudrait qu'on mette ça sur l'histoire, mesdames et messieurs, que Guy-Brice Parfait-Colella avait gagné le 21 mars. Et qu'il est mort le 21 mars et non le 22. Il est mort en tant que président. Deux ans plus tard, mesdames et messieurs, quand on regarde aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, il y a un collectif, La Vérité sur le Paco, qui est fait. C'est une bonne chose. C'est notre combat. Parce que aujourd'hui, Paco est enterré. Mais jusque-là, c'est pareil, mesdames et messieurs, je ne suis pas parti à l'enterrement. Parce que je ne sais pas celui qui est enterré là. Est-ce que c'est Paco? Tant que nous n'aurons pas les prélèvements, tant que nous n'aurons pas le compte rendu des laboratoires qui ont été saisis par Nathalie Colella et plutôt par Lydie Colella, mesdames et messieurs, pour moi, jusqu'à preuve de concret, je ne pourrai jamais mettre une fleur sur la tombe de cet inconnu qui est là-bas, qu'on nous présente comme Guy-Brice Parfait-Colella. Là encore, personne n'a eu une preuve que c'était Guy-Brice Parfait-Colella qui était là-bas, avec le PCT, mesdames et messieurs. Il faut vous attendre au pire. Personne ne peut nous certifier, que ce soit ses enfants, que ce soit sa famille. Personne ne peut nous dire que, même les enfants de Guy-Brice Parfait-Colella ne peuvent pas dire que non, nous sommes partis le voir, nous avons vu papa. Personne. Personne n'avait le droit. Alors, c'est qui on est parti enterrer, mesdames et messieurs? Vous avez vu le balai. Vous avez vu l'argent qui a coulé derrière pour qu'on puisse l'enterrer. Mesdames et messieurs, tant que, je le dis, en tant que matsouaniste, en tant que corbeau, en tant que M22, tant qu'il n'y aura pas les résultats des analyses sur des prélèvements qu'on avait faits sur lui, mesdames et messieurs, moi je n'irai pas mettre une fleur sur la tombe d'un inconnu. Pour moi, c'est l'inconnu qui est là-bas. Ce n'est pas Guy-Brice Parfait-Colella. À commencer par le Termac, il y avait des gens qui l'avaient accompagné. Et ces personnes ne nous ont jamais dit s'ils avaient mis dans l'avion médicalisé un cadavre ou bien un homme qui était vivant. Il y en a qui vont nous rendre compte par rapport à ça. Est-ce que les personnes qui sont parties, qui étaient là, et les personnes qui étaient parties l'attendre au Bourget, est-ce que c'était un cadavre qu'ils ont vu? Ou bien, c'est bien après qu'ils se sont aperçus qu'il était mort. Il y a trop de zones d'ombre. Heureusement qu'il y a un collectif qui a été créé, qui se bat pour la vérité sur Paco. Quand on regarde deux ans plus tard, mesdames et messieurs, le même gouvernement, il est toujours là. Celui qui a l'habitude de gagner les élections a encore gagné. Il est encore là. Il a placé ses enfants. Il veut mettre son fils. Il a placé tout le monde. Yuki, qui allait prendre la relève, est pratiquement maintenant rentré dans la mouvance présidentielle. Que nous reste-t-il de cet héritage-là que nous a légué Guy-Brice Parfait-Colella, mesdames et messieurs? Il n'y a rien. Parfois, lorsque je regarde la politique du Congo-Brazzaville, je me dis, bon, heureusement que je ne suis pas politicien. C'est de la merde. Il n'y a plus d'opposition. Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. Les deux vrais candidats qui s'étaient présentés à cette élection sont morts. Le colonel Onyangé et Guy-Brice Parfait-Colella. Les autres, c'était des candidats d'accompagnement.
c'est-à-dire qu'il y avait un rôle bien établi par le PCT, nous distraire. Les deux vrais sont morts. Yuki, on ne les entend plus. Tout ça pour rien. Tout ça pour avoir sacrifié quelqu'un qui voulait libérer le Congo. En fin de compte, il était livré à lui-même. Il croyait qu'il était bien entouré. Il n'était pas bien entouré, mesdames et messieurs. Alors que l'histoire retienne, vous qui êtes historien, vous qui êtes intellectuel, il faut faire de votre mieux pour que l'histoire retienne une seule chose, qu'après Pascal Lissouba, Guy Brice-Parfait Kolela était devenu président de la République à titre posthume le 21 mars 2021. Il avait gagné la présidence. Mesdames et messieurs, c'est à ça qu'aujourd'hui je suis revenu 2 ans plus tard. Vous redire ce qui s'est passé le 20, parce que ça s'est joué le 20. Avec ce testament, à 2h du matin, nous savions déjà que c'était fini. Et le reste, il y avait un scénario. Le scénario, il est connu aujourd'hui de tout le monde. Le Congo ne veut pas accepter qu'on change de date de la mort de Guy Brice-Parfait Kolela. Ça ne leur arrange pas que ce soit le 21. Le Congo préfère que ce soit le 22. Parce que le 22, eh bien, ça lui sort de la course de la présidentielle. Le 21, il est gagnant. Le 22, il est perdant. Voilà, mesdames et messieurs, cette date-là, tout s'est joué à une date. Le 21, le 22. Guy Brice-Parfait Kolela, mesdames et messieurs, vous le savez qu'il était mort déjà. Avant de monter dans l'avion, ce n'était qu'un cadavre. Personne ne peut nous prouver le contraire. Nous avons des téléphones, nous faisons des selfies. Nous sommes dans un monde de voyeurisme. Aujourd'hui, vous regardez, dès qu'il y a un accident, tout le monde sort sans téléphone. Il n'y a rien. La seule image que nous avons, c'est le testament. Il n'y a rien. Bonsoir, Anakli la couronne. Il n'y a rien, mesdames et messieurs. Alors, maintenant, si nous regardons bien, mesdames et messieurs, nous avons perdu 2 ans. 2 ans où on pouvait s'unir. Mais il y a un détail que je vais vous dire. Lorsque Guy Brice-Parfait Kolela est mort, mesdames et messieurs, le Congo n'a pas tremblé. Bakongo n'a pas bougé, Makelele n'a pas bougé. C'est la France. C'est la diaspora qui est à l'extérieur qui a bougé. Pourquoi les Congolais de Brazzaville n'ont pas bougé? Parce que les Congolais ont été arrosés, mesdames et messieurs. Les leaders politiques ont été arrosés pour calmer les jeunes. Les leaders politiques ont été arrosés financièrement pour calmer la meute. Il n'y a pas eu de voiture brûlée, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on peut brûler un Kuluna qui est parti voler. Mais la mort de Guy Brice-Parfait Kolela a été maîtrisée. Les leaders politiques et les pasteurs qui sont au service du PCT ont fait le travail pour adoucir, pour que les jeunes ne se révoltent pas. Il y a eu beaucoup d'argent. Les pasteurs ont fait leur devoir de complicité. Les hommes politiques ont demandé aux jeunes de lever le pied. C'est en France que le mouvement a été plus radical. En Afrique du Sud, un peu ailleurs, c'est-à-dire que l'extérieur, oui, a bougé, sauf le Congo-Brazzaville, parce que les leaders ont été arrosés. Ces leaders, aujourd'hui, ont placé leurs enfants dans ce gouvernement-là. On les connaît. Donc nous avons été trahis par les nôtres.
Guy Brice Parfait-Colella a été trahi par son entourage. Yuki, aujourd'hui, appartient maintenant à la mouvance présidentielle. Nous n'avons plus de leader, mesdames et messieurs. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les nordistes sont maintenant en capacité de garder le pouvoir. C'est ce qu'ils sont en train de faire, les manœuvres. À moins que Dieu, comme il n'y a que lui qui a le dernier mot, à moins qu'il nous envoie un messie. Mais sinon, nous sommes mal barrés. Celui qui pouvait tenir tête, c'est celui qui est mort le 21 mars. Le reste, ce sont des corrompus, ce sont des faux candidats, ce sont des faux opposants. Nous sommes dans la merde depuis le 21 mars 2021. Mesdames et messieurs, je ne suis pas prophète, mais je ne peux pas dire que Dieu est en train de montrer. On avance. Mais oui, Dieu est en train de nous montrer une personne. Pour l'instant, je ne lâche pas le mot. Je ne lâche pas le nom. Djimbetila tota djimbetila. Muntoko uta monika uta tsongela nzambe. Ulende kula Congo. J'en ai parlé à deux personnes, ça se limite à deux personnes, Muntu et Kouta Monika. Mais, bonne soirée, mesdames et messieurs, mais voilà, l'apôtre Paul nous dit ceci dans la Bible, que parfois il faut dire, mais non Muntu et Kouta Monika, au lieu de dire que Dieu. Donc pour l'instant, Muntu et Kouta Monika le Ndukula Congo. Mais c'est une carte que je garde. Et on va aller dans la prière pour voir si Muntu una le Ndetambula. Ce serait chaud. Ce serait très, très, très chaud. Mais on se met dans la prière pour ça. On prie, on regarde. Quelle est ta quelle? Il se peut que c'est le subconscient qui fait que Montonita Mona ou Kula Congo. Peut-être que c'est un subconscient. Donc pour l'instant, j'en ai parlé à deux personnes. Namutalatuna, Namudimbitilatuna. Mais Montuoko, est-ce qu'il acceptera? On attend, mais est-ce que c'est mon subconscient ou c'est une vision? Sachant que je ne suis pas prophète, je ne suis pas Madame Soleil, mais il y a quelqu'un. Ce que je n'ai jamais dit depuis que je viens faire ce direct-là, c'est la première fois que je vous dis que oui, il peut y avoir de l'espoir. Le temps viendra, mesdames et messieurs, s'il faudrait évoquer ça, on verra, ou bien s'il ne faudrait pas évoquer, on laisse le temps au temps, que Dieu puisse nous éclairer, qu'il puisse nous guider. Mesdames et messieurs, voilà, j'ai 5 minutes pour terminer, pour vous dire, bon, ça a été un plaisir pour moi de faire la campagne de Guy Brice Parfait-Colella. Je vous ai dit que c'est quelqu'un que je n'ai jamais connu. Ni d'Adam, ni d'Ève. Mais je connaissais le père, puisque j'avais fait la prison avec le père. Je vous l'avais déjà dit. J'avais connu le père, je ne connaissais pas le fils. Il était convenu qu'on allait se serrer la main. Après la campagne présidentielle, il allait monter à Paris. Il n'est jamais monté. Voilà, il est parti. Ça fait partie de la vie. Il y a des gens que vous ne rencontrez pas, mais que vous avez aimés, accompagnés dans leur décision de faire les choses. Voilà, je ne suis pas politicien, mesdames et messieurs. J'avais fait la campagne de quelqu'un sur lequel j'avais cru. Aujourd'hui, quand on regarde le paysage politique congolais, je ne vois pas sur qui je peux miser. Sauf Nzame Muntu Kota Songila. Nitala, nitala.
Mais Guy Brice Parfait-Kolela, mesdames et messieurs, c'était peut-être celui qui allait changer le cours de beaucoup de Congolais. Nous sommes dans la merde avec les Nordistes au pouvoir, mesdames et messieurs. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si on ne reprend pas le pouvoir, mesdames et messieurs, si le poule ne reprend pas le pouvoir, nous sommes dans la merde. Il faut le savoir. Si on ne reprend pas le pouvoir, nous sommes dans la merde. Parce qu'eux, ils sont capables de tous les scénarios pour garder le pouvoir. Je vous ai donné un scénario qui a été monté. Et jusqu'à présent, ils ne veulent rien comprendre que Guy Brice Parfait-Kolela était mort le 21 et non le 22. Pour eux, ils ont gagné la présidence. Ce qui est tout à fait faux. Ça n'a pas gagné cette élection. Ce n'est pas sa place. Tu me fous de la tienne de quoi tu es 2021. Tu me fous de la tienne de quoi tu es le 21. Nous avons gagné ce pouvoir-là. Nous l'avons gagné. Nous nous sommes battus pour ça parce qu'on a cru et nous avons gagné. Mais on nous a volé la victoire. Ce n'est que partie remise, mesdames et messieurs. Ce n'est que partie remise. Un jour, pour que le peuple du poule soit sauvé, il faut qu'il y ait un président qui vient du poule. Parce que nous, quand on est au pouvoir, nous travaillons avec tout le monde. Que ce soit Youlou, que ce soit Massamba Déba, nous travaillons avec tout le monde. Et même lorsque Yombi est venu au pouvoir, il a travaillé avec tout le monde. Marie Ngouabi a travaillé avec tout le monde. Pascal Issouba a travaillé avec tout le monde. Celui-là qui est là, c'est un chef de clan. Il n'y a que lui, ses amis, c'est devenu sa république. Mesdames et messieurs, il faut qu'on récupère le pouvoir. Sinon, nous sommes dans la merde. Voilà ce que je voulais apporter, mesdames et messieurs. Je voulais apporter ce témoignage pour vous dire que la campagne de 2021, j'étais au cœur de la campagne. J'étais honnête avec moi-même, j'étais honnête avec vous, comme je le suis. 2 ans plus tard, mesdames et messieurs, je n'ai pas changé de camp. Je n'ai pas pris l'Ingiri, je n'ai pas pris ma carte au PCT. Je suis là, à côté du peuple. Je suis avec le peuple, je reste avec le peuple, parce que je roule pour le peuple, je ne roule pas pour un parti politique, je ne roule pour personne. Donc je suis là, à la même place, 2 ans plus tard, je suis encore là au château, je suis encore quelqu'un qui est là, qui n'a pas de finances, mais qui continue à œuvrer pour le bien du Congo. Alors que de l'autre côté, il y a des gens qui étaient avec Lady Kolela, qui ont trouvé que Lady Kolela n'avait pas assez d'argent pour leur donner. Ces gens-là ont tourné leur veste, ils sont partis vers la veuve. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes se retrouvent aujourd'hui dans le collectif de Dominique Okemba. Il y en a qui ont acheté des voitures, dit-on qu'on leur a donné 1 million. Alors que moi, je n'ai même pas gagné 1 euro sur ce combat-là. Voilà, bravo à ceux qui ont fait, ceux qui ont créé le collectif La Vérité sur Paco. C'est une bonne initiative. Voilà. Peut-être qu'un jour que la lumière viendra d'eux, on les encourage, voilà, malgré nos différences. Je reste du côté de ceux qui cherchent la vérité sur la mort de Paco. Je vous dis merci, mesdames et messieurs. Merci d'être là. Merci Blaise Nsoari, le futur président. Gisèle Narcisse, merci. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'être là. Voilà. Au moins, vous savez que Guy Brice Parfait-Kolela était mort le 21. Et non, le 22. Le 21, c'était un scénario. Vous savez que celui qui est contre les positifs, c'est là le Covid, c'est en 2021. Les temps étaient très, très, très chauds. Ils ne pouvaient pas rentrer. Ici, en France, ce n'était pas possible. Voilà, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Voilà, il est congolais d'origine. Il est au Congo. Il est contre les positifs. On va lui mettre un avion médicalisé pour qu'il vienne se soigner, c'est pour qu'il ramène le Covid ici, et il est dans l'avion, on le touche, on voit le médecin qui le touche, il n'y a rien,
Ils n'ont pas de gants, il n'y a rien pour quelqu'un qui est contrôlé positif. C'est du pipeau, c'est du montage. C'est du montage politique, mesdames et messieurs. C'est ce qu'on a voulu nous faire croire. Le type arrive à 22h et à 2h du matin, non, il est mort ici à Paris. C'est trop facile. Heureusement que la médecine, ici, elle travaille. La science a dit non, il n'est pas mort de Covid. Alors, quel est le médecin qui avait fait qui avait fait ce bulletin-là pour dire que M. Guy Brice-Parfait Colella est, comment on appelle ça, il a été contrôlé positif. C'est médecin de compassion, mesdames et messieurs. Je souhaite qu'un jour que nous connaissons la vérité. Je souhaite qu'un jour que nous connaissons la vérité. Mais elle t'adora, mesdames et messieurs, tant que la France-Afrique est avec le chef de l'État. Tant que la France-Afrique continue à nous imposer les futurs présidents, la vérité, nous ne l'aurons pas aujourd'hui. La preuve en est que Mwabi était mort depuis plus de 40 ans. Nous n'avons pas encore la vérité. Diawara était mort il y a longtemps, nous ne connaissons pas la vérité. Kinganga était mort, nous ne connaissons pas la vérité. Massamba Déba était mort, nous ne connaissons pas jusqu'à présent la vérité. Le cardinal Émile Biayenda était mort, nous ne connaissons pas la vérité. Tant que ces personnes-là sont encore là au pouvoir, ce serait difficile de connaître la vérité parce que le premier juge au Congo-Brazzaville, c'est le chef de l'État. Le premier procureur au Congo-Brazzaville, c'est le chef de l'État. C'est lui qui nomme les magistrats. Comment voulez-vous connaître la vérité puisque la justice n'est pas indépendante? La justice dépend de lui. C'est lui qui nomme le procureur Ngakala, c'est lui qui nomme les magistrats, c'est lui qui nomme les juges. Le premier président de la cour, c'est lui. Le premier magistrat, c'est lui. Comment voulez-vous qu'on connaisse la vérité? S'il est à la fois président, à la fois le chef suprême de l'armée, et à la fois le premier juge, le premier président, comment voulez-vous qu'on sache la vérité? S'il a tous les pouvoirs avec lui. Et si demain c'est son fils qui le remplace, ce serait pareil. Nous ne saurons jamais la vérité, mesdames et messieurs. Pour savoir la vérité, il faut qu'on prenne le pouvoir et qu'on libère la justice pour qu'elle travaille sereinement. Mais tant qu'il sera au pouvoir, nous ne saurons pas la vérité parce qu'ils se protégeront entre eux. Nous ne saurons pas la vérité. Pour connaître la vérité, il faut qu'on prenne le pouvoir, mesdames et messieurs. Merci à vous. Et puis, Fanny, nous sommes la fauve. Voilà. Fauve de Vande, nous unis. Soyez unis. Ne perdons pas de temps avec les futilités. Soyons unis. Pour terminer, je vais... J'ai un ami, le Nzoïsme, qui a écrit... qui a fait un post. Bon, je n'ai pas eu le temps de le prendre. Mesdames et messieurs, Babem, je suis un peu comme moi, je suis un peu comme moi, Babem, je suis un peu comme moi. Babembe nabalari bazaka kamoto moko lari na mbembe muntu mosho kwa wena. Nous avons été séparés, nous nous sommes battus pour des guerres politiques. Mesdames et messieurs, si le lari et le bembe parlent d'une seule voix, si betu vukana na babembe betu wana muntu mosi ça c'est douana l'heure et tama comme betu buta babani ming. Ce que tu zongues là, net na tango kala tango tazake na bembe ou bota bana. Mesdames et messieurs, le pouvoir va trembler, il va dégager. Parce que ce sont les deux tribus les plus fortes, les plus terrasses, les plus tenaces. Si vous êtes tellement na bembe, balari na bembe, si vous êtes tellement pouvoir gekima. Mais pas qui divise que bête. Si mon lari na bembe vokana, façon à l'heure est tama. Mesdames et messieurs, mettez votre pouvoir. Parce qu'en ce moment-là, vous avez un peu de temps.
batsangi ke landu bet na manima beba bembe na balari batelama se bavwanda muntu mosi on récupère le pouvoir mais pour l'instant betkete na ba nostalgie na abeto ba mabama tatu abeto ba yayi bat milongo se bezanga ndinga mosi baba chenge katoka. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs.